I was struck by what Aislinn was saying about her encounter with Gabor being with his photographs before meeting him, and that being such an important influence on it, and that brings me to our next question, which was that we asked each of the invitees to go through the exhibition and to pick out a photograph that in some way moved them or affected them, and to perhaps talk about it in relationship to their own work or to another issue. So maybe I could ask Aislinn to begin, and we're going to project. We were asked to pick an image, and it ended up that me and Michelle had picked the same image. and it was already very difficult to choose one image, and so it was funny that me and Michelle had the same one. I had a very long list of images, so this one wasn't too far behind. One reason for why this image stood out for me is because I come from a very small village, about 2 hours north from Montreal, and I believe the population is around 500, 550 in the summer maybe, so I was almost first jealous that that an image could, that Gabor had taken this image and that he had captured the entire village, because that's something that I always wanted to do with where I came from, but I can't seem to get it. I keep trying, but it hasn't come yet. So for me, this was this idea of sort of this slowness of rural time and sort of the how everything just seems to take forever to go by, and as a child I was always sort of trying to escape this sort of slowness and looking to get out, and now living in the city I'm always looking forward to escape back into this slowness. And the other thing is that what I find really interesting is that you can't see any people in this photograph. And yet in a village there's always somebody driving around or there's always somebody outside. And for me, this sort of lays out a kind of storyboard to be able to make up your own narrative of the people living there and the characters that could live there. And so for me, it's, you know, why maybe the farmers have gone in to eat lunch and the wives have just brought the pies out of the oven or tending to the children. And so for me, it's this type of narrative, and that also comes with living in a village and sort of getting to know everybody. Excellent. So, Michelle? Alors, vous savez que moi et Aislinn avions choisi la même photographie. Donc, la photographie de Marie et Pierre Boucher, une photographie du projet de la Beauce, fait à Saint-Benoît-l'Arbre, en Beauce. Je suis obligé de retourner à ce que j'avais écrit. Alors, au-delà de ce qui est évoqué dans cette photographie, que l'on pourrait résumer aux objets accumulés, à une vie qui s'essouffle, à une fin de parcours dans le silence et la blancheur qui emplissent la pièce, cette photographie me semble parmi les plus percutantes du système de représentation mis en place par Gabor. Lorsqu'il plante sa caméra sur un trépied pour trouver un point d'ancrage qui va lui permettre d'être de plein pied dans l'observation minutieuse du cadrage, la physicalité du réel, tant pour les interactions des individus dans l'espace de l'image que pour la structure de l'architecture. Je pense que Gabor devient très singulier, particulièrement lorsqu'il travaille à la chambre et au trépied. Et je pense que c'est ce qui caractérise le plus le travail de Gabor.
ce que je dis ensuite, c'est qu'il nous révèle, Gabor nous révèle non seulement ici l'intériorité troublante du sujet, mais son empathie pour ses semblables. Éthique dont il garde le secret dans son histoire personnelle ou familiale, son éducation hongroise, son expérience d'immigrant ou la simple bienséance civile, le profond respect pour autrui, inné chez lui. Et ce que je dis de cette image, comme je dis de toutes les images de Gabor, c'est qu'il y a une constellation d'affects dans le regard de Gabor que j'énumère pêle-mêle, du désir, du plaisir, de l'ironie, de l'humour, de la crainte, de la beauté, de la splendeur, des regards caméra, des histoires de vie, des rêves, des souvenirs, des paradoxes, de la hantise, de la solitude, de la camaraderie. Could I Merci. Interject and perhaps ask Aislinn to say something about this photograph that she chose, if you wanted to add something more? Well, what I was, when I set up my camera, and it's true, it's almost the entire village. As you come in from Les Éboulements, we can't see the image now, but most of the village is to the right of the church. And what I was taken by was the fact that such a small village has such a huge church, because you know, the religion, Catholic religion, was still very important in those days. And when I went to 3 years later to Beauce, which was more industrialized, and I discovered more sort of the sacred and the profane, and that was what caught my attention in the Beauce. So this aspect of religion, which was also very apparent in the interiors that I photographed on Île aux Coudres, dans plusieurs endroits. Je peux poser une question? Oui. Gabor, pourquoi n'as-tu... Est-ce que tu pensais photographier en couleur à cette époque? Déjà à cette époque? Non, pas vraiment. Non, jamais? Non, pour moi, c'était le noir et blanc. C'est quand j'ai commencé à photographier des intérieurs, des enseignes lumineuses. Mais j'ai fait beaucoup de photos couleur pour mon travail à l'Office du film du Québec à l'époque. Mais pour le portrait, je trouvais que le noir et blanc était plus fort, ça pour sortir les traits du visage, les yeux, c'est le noir et blanc. Parce que les portraits couleurs à l'époque, bon, la couleur de la peau, les défauts dans la peau, c'est pas important, c'est souvent temporaire. Et la couleur a donné beaucoup d'importance sur la peau. D'accord. Oui. Allez-y. Oui. Oui, la couleur, ça peut être une distraction. Oui. Mais il y a des photographes, des jeunes photographes qui n'ont jamais fait du noir et blanc, qui ont commencé avec numérique. Et c'est vrai que le monde est en couleur, alors c'est tout à fait normal. Mais c'est... Vous savez, il a tout à fait raison, parce qu'on dit on rêvait en couleur. Non, on ne rêvait pas en couleur, on rêvait en noir et blanc, parce que le cinéma, au début, était noir et blanc, et on comparait le cinéma au rêve. Et rêver en couleur, c'est tout à fait naturel, parce que le monde est en couleur. Alors rêver en couleur ne veut absolument rien dire. Le monde est en couleur, et puis celui qui rêve en couleur, c'est tout à fait anodin. Enfin, voilà. Non, c'est parce que
c'est la présence de la couleur dans l'imaginaire qui a pris le dessus. Quand on est dans le fond, elle était toujours là. Leah, would you like to talk about the picture you selected? I would like to, yes. Je vais parler un peu en français, un peu en anglais, hein. Ça va? Alors, tout d'abord, je suis très étonné des choix de photographie que nous avons fait tous les trois, qui sont tellement semblables. Il n'y a pas un être humain dans les photographies que nous avons choisies. Et Gabor est un photographe de personnages, de portraits, et le catalogue en est plein. Moi, il a même pris mon portrait, imaginez-vous. Alors là, c'est le village, c'est l'intérieur, et c'est un autre intérieur. Mais je crois que l'intérieur, justement, ne se compare presque pas à celui qu'on vient de voir. Here we have, you know, a whole history. We have the cross, we have the saint, we have the time, we have the new world, the actual world television, and then we have also the horse there, which is made by a kind of patenteux. Nobody talks about patenteux anymore. They are gone from our imagination. There was a whole, not a culture, but the culture was there, but there was a cultural attention to things made by people in a very spontaneous way. And they were very telling. You know, I was very much involved with the painter Villeneuve, and he told a story in his paintings. And these stories are very important because these stories are a real perception of the world that we lived in Quebec, or that was lived in Quebec. And an abstract painting, well, doesn't tell us very much about that. And the fashion is, of course, for the patenteux and for these painters of sincerity and directness, is not present anymore. Anyway, so that's why I chose this photograph, because it is a kind of condensation of history, of feeling, of being, and of observation, of course, because Gabor is in the photograph too. So that is why I chose it. But I'm quite surprised that neither Michel nor you chose a photograph with a person in it. We all have left an enormous amount of Gabor's work out of our choice of photographs. But we have to talk about that later. Michel's choice had two people. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Yeah. Dans la photographie de Anselm, il y a beaucoup de gens dans le cimetière. Et il y a des gens dans la télévision aussi, hein? Et en plus, il y avait quelques personnes dans mes images, dans l'image que j'ai choisie. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est les objets dans l'image précédente et dans celle de... Non, et dans la télévision, chez lui, elle est allumée. Mais ici, elle est éteinte. Voyez-vous? Elle ne vit même pas. Non. Ce que j'ai trouvé étrange dans cette photographie, que les contrôles sont en haut de la télévision. Il était à côté, en haut, en fait. Oui. Alors voilà pourquoi j'ai choisi cette photographie, parce que c'est une photographie qui raconte, qui documente plutôt que raconter, toute une évolution, une histoire, l'attitude des gens, les plaisirs et les, disons même, les croyances et la foi des gens, tout ça s'est condensé dans cette photographie-là, et nous savons que ceci n'existe pratiquement plus. Alors là, vraiment, c'est une photographie d'ambiance, c'est une photographie presque historique, dans le sens de l'interprétation qu'on peut lui donner.